souvent on me demande quel ski j'utilise en pentrail. Bah la réponse en fait elle est là. Mythic 97 Pro, donc carbone. Ça c'est le M Tour 99, donc ça c'est le ski de l'année prochaine. Et ça c'est le vertical, c'est le M vertical 88. Qu'est-ce que j'utilise surtout sous le pied ou quoi? Moi je pense vraiment, ces skis-là là c'est peut-être 75% voire 80% de mon hiver, je vais skier là-dessus. Parce que là du coup on est dans un segment qui est entre 90 et 100 sous le pied. Donc en fait on a un vrai confort dans tous les styles de neige. C'est puissant, ça skie bien, tu peux tout faire avec. Donc ça c'est vraiment le all-terrain. S'il y a une paire de skis à acheter, pour moi on est plutôt dans ce segment-là. Entre 90 et 100, c'est, ça dépend les marques, mais là avec ça vraiment on fait tout. Et sur le plus léger, le M vertical, donc ça c'est M vertical 88. Un gros travail sur la spatule pour qu'elle soit un petit peu plus tolérante qu'avant. Avant elle était vraiment très directive. Aussi bah, du coup un univers ski de rando, ski alpinisme avec l'attache en spatule de la peau de phoque. Et un ski en fait que je dédie soit en début de saison quand je fais des approches un petit peu plus longues, ou soit vraiment au printemps. Ça c'est le ski que je vais utiliser mai, juin, même des fois jusqu'à début juillet. Et bah, je vais skier là-dessus parce que bah, c'est léger, c'est accrocheur. Je l'utilise pas très long en 170 et du coup ça me permet d'accéder à des pentes beaucoup